Bonjour à tous, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le Média pour tous est actuellement accessible à 2 euros par mois et ce durant un mois. Donc je m'explique. Pendant un mois, vous avez la possibilité de devenir contributeur du Média pour tous à hauteur de 2 euros par mois, sachant que cette contribution va ensuite se renouveler dans le temps, mais que vous pourrez l'annuler à tout moment. Je tiens vraiment à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que ça se convertisse concrètement en aide financière. C'est le nerf de la guerre. Les grands médias reçoivent des centaines de millions d'euros de subventions pour nous cracher à la gueule leur manipulation et leur propagande. Nous, on doit faire uniquement grâce à vous. C'est le gage de notre totale indépendance. Évidemment, si les 140 000 personnes qui nous suivent sur YouTube nous donnaient 2 euros par mois, ce serait, on vous fait un TF1 alternatif et honnête. Pour vous, 2 euros par mois, c'est pas grand-chose. Pour nous, c'est vital. Donc votre participation est absolument capitale pour nous. Nous comptons sur vous. Donc n'oubliez pas, 2 euros par mois. Pour ceux qui hésitaient, ceux qui nous suivent, qui aiment bien notre travail, c'est l'occasion, vraiment, de nous aider concrètement. Donc merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais, ça change le son, hein. Ouais, voilà. Voilà, alors c'est ce genre de pulsation qui est gênant pour l'organisme. Quand Zemmour est arrivé sur CNews, il a triplé l'audience, mais en même temps, la publicité autour de l'émission de Zemmour a disparu sous la pression des publicitaires. Ce qui prouve bien que les publicitaires ne sont pas neutres. C'est ce que je fais dans la vie et ça me plaît. C'est un sacerdoce pour moi. Je ne me vois pas faire autre chose. Ils sont 11 à trier entre oui, non, blanc et nul. Une personne qui, derrière, vérifie que ça a été bien trié. Une personne qui découpe et qui met au format pour la machine. Est-ce qu'on fait les gilets jaunes? On peut le faire de façon démocratique. Lui, là, il avoue dans son livre avoir violé des gosses à l'étranger. Il est libre. Lui, il veut juste interviewer des victimes de viol. Il en tôle. Ils nous prennent pour des cons, quand même, hein.